Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Raid est le premier jeu à offrir une expérience console sur votre portable. Raid est un jeu dans lequel vous pouvez incarner plus de 600 champions dans un jeu pur PVP où il faudra se battre contre des boss en faisant des raids, explorer des donjons et évidemment des batailles de campagne et des matchs PVP Arena. Et justement, en parlant de champions, j'ai mes petits préférés, notamment Angar. Regardez-moi la taille de cette hache. C'est un champion légendaire avec beaucoup d'HP. Il sera très utile contre des mobs mais également contre d'autres joueurs. Et avec sa compétence par défaut, il peut attaquer les ennemis deux fois et frappe même une troisième fois si l'ennemi a un debuff de provocation. Il y a également Calvalax qui est hyper badass avec son épée de style templier. En plus, il peut empoisonner l'ennemi et le poison peut lui redonner de la vie une fois qu'il a attaqué. Ça, c'est vraiment incroyable. Et en plus des excellents graphismes et du gameplay génial, c'est pas tout. Ils nous sortent une nouvelle mise à jour ce mois-ci pour le solstice d'été qui nous permettra d'explorer 3 chemins différents pour obtenir les récompenses que vous désirez le plus. Et en plus, actuellement, Raid organise un événement spécial qui s'appelle Deliana Chase, au cours duquel vous pouvez mettre la main sur l'incroyable Deliana, une toute nouvelle championne légendaire de la faction des O-Elfes. Tout ça simplement en vous y connectant. N'oubliez pas de télécharger le jeu, le lien est dans la description, ou alors vous pouvez tout simplement scanner le QR code. Et c'est vraiment le meilleur moment pour installer le jeu. Vous avez un pack de démarrage qui équivaut à 30$ qui vous sera offert. Et dans ce pack, il y aura un champion épique du nom de Vergil, 200 000 d'argent, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien. Et vous pouvez le récupérer tout simplement ici. Pensez également à utiliser ce code pour obtenir 50 infusions d'XP et passer instantanément votre championne Deliana au niveau maximum 50. Voilà, merci à Raid et on se retrouve maintenant pour la vidéo. Putain, qui c'est à ce temps-là? Bon, je vais couper la télé. Ah, j'arrive. Bonsoir, qu'est-ce que tu fais là, cette heure-ci? C'est demain qu'on bosse, hein? Ouais, non, mais là, c'est pas important, en fait. Je viens de recevoir des coordonnées GPS d'une ferme abandonnée, et elle est sur ton terrain. Une ferme abandonnée sur mon terrain? Sur ton terrain. Par SMS. Par SMS. Ok, bah attends, je mets autre chose que ce peignoir, et j'arrive. Deux minutes, bah rentre. Attends. Tu peux venir en peignoir, hein, si tu veux, moi, ça me dérange. Ouais, non, ça ira, je... plus à l'aise, bien habillé, j'arrive. Voilà qui est mieux. Alors, bon, ce qu'on va faire, si c'est pas trop loin, je vais te suivre avec ta voiture, comme ça tu pourras rentrer direct après. Je vais prendre mon pick-up, moi, ce sera plus simple. Ok, on fait comme ça. Hop, vas-y, monte dans ta Golf, et puis je vais te suivre. Bon, je vais pas éteindre, on sera bientôt revenu. Hop, la radio. Ok, j'ai pris la lampe torche. Moi aussi. Normalement, c'est par là. Là, c'est quelque part dans les bois, par là-bas. Ah ouais, mais comment ça se fait qu'on l'a pas vu et qu'ils nous en ont pas parlé? Bah, je sais bien que je l'ai pas visité, mais bon, un bois, c'est un bois. Le bois est assez dense, hein. C'est assez compliqué de voir ce qui s'y cache. Ouais. Je vois rien. Ouais, hein. Regarde là. Ah la vache, c'est la même grange que quand j'ai commencé à m'installer ici. Ouais, sauf que celle-là, elle est en meilleur état. Ouais, c'est vrai. Oh, il y a un tracteur, attends, viens voir. Ouais. Un vieux Zetor. Oh là là, oh, celui-là, il est cuit, hein. Ouais, il est cuit, mais en vrai, il y a peut-être moyen de le réparer, hein. Tu sais, par contre, c'est résistant. Ouais, mais ouais, je suis pas sûr, hein. Mais regarde la benne ici. Ouais. Ça, c'est pas mal, hein. Elle est en bon état, elle est assez récente. Ouais, franchement. C'est... Ça a pas dû être abandonné depuis si longtemps que ça, hein. Bah, pas la benne. Mais le reste, ça a l'air vieux. Qu'est-ce qu'on... Oh, attends, il y a un autre tracteur là-bas, une moissonneuse. Oh, what? Une moissonneuse? Il y a un MB-Track, mec. Oh la vache. Bon, il est pas dans un très bel état. Il est pas dans un très bel état, mais alors ça, par contre, ça, c'est indestructible, ça. Ça, c'est indestructible. Ça fait bien 150-180 chevaux. La portière est ouverte. Oh, il y a des voleurs qui ont dû passer par là, en plus. Eh, il y a même une voiture. Enfin, c'est un camion, plutôt, mais... Ah oui, ouais. Un camion. Camion citerne. Bon, lui, à mon avis... Ouais, bon, alors déjà, il va falloir regonfler les pneus. Ouais, mais à mon avis, ce sera pas ça le problème. Et comme pour la moissonneuse, à mon avis, c'est cuit aussi, hein. C'est trop vieux. Mais au moins, le MB-Track, ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Franchement, sur mon terrain, donc c'est à moi, hein, je veux dire.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça devait être quelqu'un qui avait dû essayer de s'installer ici il y a des années de ça. Ouais, il y a pas mal de bois ici encore. Ouais, c'est vrai, il y a des planches. Ouais, il y avait la possibilité de construire quelque chose. Alors. Ouais, à mon avis, il devait y avoir des gros projets, mais ça n'a pas suivi, ouais. Bonjour à tous les amis, c'est Marlon et bienvenue pour un nouvel épisode de Seul au Monde. Je suis en compagnie de braves gens pour cet épisode en direct de la nouvelle grange abandonnée que nous avons débloquée dans la carte chance du dernier épisode. Eh oui, du coup j'ai composé une petite grange. Alors certains voulaient que je fasse une grange viticole, tout ça, une ferme abandonnée viticole. Oh, j'ai fait une grange un petit peu plus simple et du coup la vraie récompense c'est qu'on a un MB track qui est offert. Je vais vous le montrer en quelques instants, mais juste avant, je vous présente El Papito. Hello. Virgile. Hello. Et Balan, le mangeur de bonbons. Bonjour. Par contre, petite correction, je suis pas un brave blanc, je suis juste un bras cassé. Ah oui, c'est vrai. C'était chez qui le bruit de bonbons? C'était bien chez toi? Non. C'était chez Virgile alors. Non. Hein? C'était chez qui le bruit de papier là? Ah non plus, y a pas eu de bruit de papier. D'accord, bah on verra au montage s'il y a pas eu de bruit de papier. Y a eu un bruit de papier chez... Je sais pas. Il y a eu un bruit comme si un mec ouvrait un bonbon ou un truc en... Vous verrez au montage. Bref, je monte dans le MB track. Peut-être une barbe qui frotte contre un micro, mais à part papy, je n'y crois pas. Tac, on va refermer le capal. Oh là 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 là, ce MB track intercouleur 1100. Il est huge. On rentre dedans, on le démarre. Et on aime déjà le son que ça fait. Et regardez... Tourne comme une horloge, il a 120 heures, il a tourné. Oh là là. Oh comment il résonne. Il fume même pas noir, c'est pas drôle. Ah non, bah non, il fume pas du tout d'ailleurs. Mais oh l'intérieur est magnifique. Contrairement à Papito. Oh c'est génial. Il fume moins que Papito, hein, ce MV track, hein. c'est te dire. Hein. C'est te dire que c'est de la camelote. Hein. mais du coup, on va aller direction le chantier d'ensilage. Vous pouvez déjà relancer les ensileuses. Et moi, je vais aller direction le concessionnaire là, avec mon MV track, les amis. Ça commence déjà. C'est très fort. C'est très bon épisode en perspective qui arrive, les amis. Je vous le dis, très bon épisode. Ça va, tu passes un bon. Ah, nous avons retrouvé El Papito. D'ailleurs, oui, il est temps de récupérer aussi les loyers. Ouais, bam. Voilà, 1 065 000 euros. Et avec ces 1 065 000 euros, les amis, je vous rappelle également que j'avais une carte chance. Mais j'ai pas ma tête, en fait. Je vous parle, mais j'ai pas ma tête. Bon. Il y aura un PNG de ma tête pendant quelques secondes. Je disais donc, on a 1 065 000 euros et qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Dans le dernier épisode, on a eu une carte chance qui nous a aussi permis d'avoir un prêt d'outils pendant un épisode. Et ça tombe bien, on va se faire prêter une barre de coupe d'ensileuse. Et ça, c'est très gentil. Très gentil de la part du concessionnaire qui va nous prêter la barre de coupe Kemper Study 2020. Donc là, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc ça compte pas comme une location. Je vais même l'acheter, on va se rendre l'argent vu qu'elle est prêtée, mais on la rendra, vous inquiétez pas. Donc voilà, on n'a pas perdu d'argent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une ensileuse. Je vais l'acheter. Je vais même peut-être l'acheter avec une avec des chenilles. Attends, c'est quelle configuration avec des chenilles? Je sais plus c'est quelle marque. Continental, Michelin, non. Trelleborg. Ah ouais, avec les gros crawlers comme ça de chez New Holland, je pense. On dirait un peu les trucs de chez New Holland. J'aime bien. On dirait les Smart Tracks. Du coup, 535 000 euros. Donc c'est quand même un bel investissement. Mais vu que j'avais déjà acheté une barre de coupe, c'est pas grave. Et comme ça, pour le moment, j'ai toujours pas fait de location de l'épisode. Hein. C'est que des locations des anciens épisodes plus le prêt. Et maintenant, j'en loue une autre plus une barre de coupe. Donc là, on est quand même sur un... Peut-être un peu useless. Peut-être un petit peu useless. Je vous l'accorde. Mais au moins, on va pas manquer de débit de chantier. On va peut-être manquer de Ben. Ça, c'est autre chose. Mais on va pas manquer de débit de chantier. Ça va être sympa. Comment on va s'en sortir? Il va falloir que je range un petit peu mon MB track. Je vais me permettre de le ranger avec le porté-charge lourde. Voilà, on l'éteint. Et maintenant, il va falloir emmener les deux ensileuses au chantier. Je pense qu'il va y avoir assez d'ensileuses pour ce champ, papy, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Il y en a déjà 1, 2, 3. Ah, 5 ensileuses quand même dans ce chantier. Viens, non, on va plutôt aller en remontant. Ah oui.
Bah, ah ouais, non, en fait, j'avoue, il est carré là-bas, t'as raison. Heureusement qu'elle braque vite, hein. Allez, vite, j'arrive. Ah non, ça va, elle accélère pas mal, hein. T'es remonté à 41, une vitesse, what the fuck. J'ai cru que j'allais te rentrer dedans, même pas. Ah merde, on a pas d'additif. Ah oui, il va falloir que j'ai cherché de l'additif avec le pick-up. T'es sûr que c'est utile l'additif, là? Bah, ouais, c'est vrai qu'il y a déjà assez de rendement comme ça. En vrai, j'avoue que bon, l'additif, est-ce qu'on en a besoin? C'est pas sûr, ouais. Ouais, j'avoue. Mais bon, après, ouais, c'est bien qu'il y ait du rendement aussi, quand même. C'est bien qu'il y ait du rendement, comme ça, après, on est tranquille, quoi. Plus besoin de s'infliger ce genre de truc. Mais Ah, d'ailleurs, ouais, il y a une benne qui est pleine, là, déjà, avec le de stack. De toute façon, moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais lancer un ouvrier. Et après, je vais être bon à monter dans une benne, parce que sinon, on va être dans la merde. Hop. Ouais, bon, je vais quand même aller chercher de l'additif, parce qu'on n'a jamais assez de rendement. Jamais. Déjà qu'on n'a pas mis de couche d'engrais, hein, c'est pas sérieux tout ça, c'est pas sérieux, hein. Hop, voilà les amis, la dernière palette. Voilà, ça m'aura coûté 15 000 balles d'additifs quand même. Mais bon, voilà, tout le monde est ravitaillé. Ils vont en avoir plein. Ça va être moins de balles, c'est logique à 97%. Ouais, bah ça suffira. Putain, mais pourquoi il y a une collision? Laisse-moi te poser sur l'ancileuse. Voilà, comme ça, tout le monde est ravitaillé. Je peux ranger mon dodge. Et du coup, les amis, je vais vous mettre des accélérés de l'ancilage et de la livraison, évidemment. Amis, petit point sur la situation. L'ensilage a bien progressé. Du coup, dans cet épisode, déjà pour le moment, on a récolté ce champ et celui-là. Donc, une belle petite progression quand même. Hein. Il y a eu déjà 3 champs de fait et bientôt 4. Et pas des moindres, le quatrième. Hein. Il est quand même assez grand. Bon, c'est pas le plus gros champ de la map parce que vous connaissez le fameux plus gros champ de la map. Mais c'est quand même pas mal. Ah, j'aime bien le PDA. Hein. Franchement, je trouve qu'il a de la gueule. Hein. Je trouve que je me suis quand même pas trop mal démerdé. J'ai pas encore lu vos retours, les amis. Je vais les lire dans quelques instants. Bah, justement, c'est pour ça que je les découvre en vidéo. Comme ça, au moins, c'est vraiment les vraies réactions. C'est pas mal, hein. Ah, on a, et franchement, on a quasiment récolté la moitié, alors qu'on a fait que 4 champs et qu'il en reste 10. Tellement le premier champ est grand. Ouais, on a genre quasiment fait la moitié. Et en plus, on va en faire une grosse partie, je pense, en maïs grain, ce qui reste. Bon, peut-être pas une grosse partie, mais tout ce qu'il y a autour de la ferme céréalière, genre au moins ceux-là, si ce n'est même ceux-là, quoique là c'est proche de la ferme des vaches, ça pourrait être pratique. Voilà, je pense que toute cette partie-là, voilà, on fera en maïs grain, ça sera beaucoup plus simple. En plus, on a les machines, on a des belles barres de coupe. Je pense que d'ailleurs, je vais pas tarder à les mettre parce que en plus, je me disais, je peux pas faire de maïs grain en même temps qu'on ensile. Bah, c'était une erreur de penser ça parce que je me disais, parce que j'ai pas de benne pour le vider. Mais si, j'ai la benne du camion. En fait, c'est juste parfait. Donc, bah, attendez, je vais mettre à faire ça dans quelques instants. Juste, je vous montrer ça. On va amener la benne. Laquelle ça t'arrangerait, papy? Je vais emmener celle du Xarion. Ça sera pas mal. Ah, ah oui, laisse-moi le Xarion, je préfère. Ouais, non. Pour l'ancilage. Ah non, mais je la prends pas. Non, mais je la prends pas pour le maïs grain. Je l'emmène juste de l'autre côté. Ah. Non, t'inquiète. Non, je prends le camion, moi, pour le maïs grain. Camion avec 80 ou 100 000 litres de capacité. M'emmerde pas. Qui serait pratique pour l'ensilage, mais je suis pas sûr qu'on peut mettre de l'ensilage dedans vu comment il s'ouvre. Et de toute façon, arriver dans le silo, ce serait pas l'idée de l'année. Hein. À droite du BGA, hein. En bas du BGA, je veux dire. Ah ok, ok. Mais juste je vide la benne et je l'emmène ici direct. What? Mais qu'est-ce qui... Ah ouais, par contre, mais on est d'accord, les bennes elles sont hyper lourdes. Peu importe le tracteur qu'on met devant. Oui. Parce que avec le Xarion j'ai tourné, en fait non, c'est la benne qui a décidé où elle allait. Et encore, c'est mieux avec le Xarion qu'avec le Dutz. Oui, je pense. Et ça doit être encore mieux avec le Tri-6. Là, par contre, avec le Tri-6, il doit pas avoir de soucis. Le Tri-6, c'est lui qui décide où va la benne. J'imagine que c'est quand même lui qui décide. Si lui doit avoir un frein moteur, c'est un avertissement.
Peut-être tu relâches le Z, le truc doit tirer de fou. Ah ouais, ça va, ils m'ont bien rempli ça. Hein. Apparemment, Virgile a fait le sagouin. Hein. Je veux pas balancer. Hein. J'entendais papy, il se plaignait pas que des déconnexions, le papito. Hein. Non, mais je me suis un peu foiré à plusieurs reprises, quoi. Ah ouais, c'est pas du boulot, c'est pas du boulot. Vraiment, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. En fait, je dis ça, mais dans le dernier épisode, mon silo, avant qu'il soit plein, c'était un chantier. Le en fait, tu fais, commences à faire une ou deux couches sur toute la longueur. Ouais, ouais, au minimum. Et après, tu remplis un bout parce que sinon. Oh bah sinon, en fait, tu vas c'est montagne land. Hein. Même en t'appliquant, tu vas te retrouver au bout d'un moment avec des montagnes et ça va être insupportable. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ton tracteur va pas pouvoir avancer et ça va faire une montagne encore pire. Attends un tout petit peu, Virgile, parce que je pense que t'as bien 8 millilitres. 1 million. Et du coup, on a 1 840 000 litres ici, plus. Ouais. Bah là je sais pas parce que c'est en fermentation mais je crois que j'avais 2,5 millions. Tu te rappelles pas Alan combien j'avais dans le grand silo là? 2 millions si tu dis pas de bêtises. Ouais 2,5 millions je sais plus. Mais bah du coup là ça fait 4 millions. Déjà 4 millions de litres d'ensilage. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais pouvoir bouffer là. Oui, là, on va avoir de quoi grailler. Je sais plus c'était quoi notre record sur partir de la saison 3, 4, Virgile. C'est pas mal. Je crois qu'on avait fait 8 millions. Ouais, il me semble. On avait quoi, 3 silos plus 1, je crois. Ouais, je crois qu'on en avait replacé un en rab. On avait un en rab où on mettait les petits... Oui, les petits tout petits, ouais. On en avait deux grands qu'on... Enfin, 3 grands qu'on avait blindés où il y avait 3 millions. Il y avait 2 millions par truc, donc 3, 6, ouais, on devait avoir entre 6 et 8 millions. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, ça devait être ça. Hop, du coup, je vais te mettre la benne ici, papy. Je vais donc aller positionner moi les moissonneuses. Donc attendez, nos moissonneuses, normalement, elles sont dans le coin. Attends, il y aura tellement de véhicules maintenant. Je vais peut-être même y aller à pied, ce sera peut-être plus simple. Je sais même pas où j'ai rangé mes moissonneuses. Ah non, ça c'est la ferme des vaches, je suis con. Ah bah, j'étais dedans, quel plaisir. Putain, j'ai déjà trop. On a déjà trop. Là, sur la Biggie sur laquelle je suis, on a déjà 3,4 heures du 3,4 heures, mais elle m'a coûté un blé pas croyable alors. Oh là là là. Il y en a une, elle était à 4,5. Hein. Oh là là. Je suis à 4,4 là. Ouais. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Oh, je sais que ça m'a coûté, j'aurais mieux fait de toutes les acheter. Ouais, non, peut-être pas quand même. Mais ok, bah du coup là j'ai la moissonneuse case. Ah j'ai... Si j'ai une barre de coupe à maïs pour la case. Est-ce que j'ai une barre de coupe à maïs pour la John Deere? Si, il me semble. Hein. Donc j'avais fait du maïs grain avec tout. Oh, j'adore les chenilles, c'est incroyable, c'est tellement magnifique. Bon, je vous mets un accéléré le temps que je les positionne. Les amis, je suis un petit blagueur. Hein, petit bruitage qu'il faut. Et ah bah, Papito aussi apparemment, il aime l'humour. Hein. Allez, depuis 14h22, il nous a fait des petites blagues. Hein. Non mais, hey, on remarquera quand même que Papito, à un moment, il a fait une session de 14h42 à 15h11. Un marathon, le truc. Un marathon. Je veux te dire, il a dû avoir mal aux yeux parce que là, aussi longtemps sur les écrans, il va devenir violent à cause des jeux vidéo s'il continue. Mais du coup, pour revenir à ma connerie, on peut pas récolter de maïs grain qui n'est pas archi sec. Je suis ravi. Je suis très ravi. Donc, du coup, les moissonneuses sont prêtes, elles sont en position. Mais je ne vais pas accélérer le temps pour une raison de location. Parce que sinon, là, si tu veux, il y a le banquier qui m'appelle direct. Hein. Genre, il m'appelle à 23h59 parce qu'ils sont venus à la connerie. Donc, bah, c'est en place. Je vais mettre en place aussi le camion Ben. Et comme ça, bah, dès qu'on a fini l'ensilage, on pourra commencer le maïs grain. Moi qui voulais faire les deux en fractionné, j'aurais mieux fait de commencer l'ensilage sur du maïs un petit peu jaune. Ça aurait fait un peu de poussière, mais c'est pas grave. Bon, bah, je vais monter dans mon camtar. J'étais dedans. J'ai le droit à un nouveau tour de manège. C'est toujours un plaisir, ça. Ça, je m'en lasserai pas. Et me dites pas que c'est shift tab pour retourner en arrière, je le sais. Et là, vous allez me dire, bah, alors pourquoi tu fais pas? Mais sur Steam, shift tab, c'est pour afficher le menu Steam. Et là, du coup, vous allez me dire, mais pourquoi tu changes pas la touche? Et là, par contre, la réponse est parce que je suis con. Et dans l'autre cas, non.
Et on a Papito, qui est là, qui malgré ses déconnexions continue de se battre et de tasser. Et il klaxonne, 70% de tassement. Oh, t'as commencé il y a longtemps ou c'était déjà bien tassé Non, c'était déjà bien tassé. Bravo Papito. Bah tu sais, à force de rouler dessus avec les Ben Play. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah tu sais que moi j'étais à 25 dans l'autre, hein. C'était long. Hein. Ouh, c'était long. Du coup, 71% de tassement, 2 820 000 litres. Ah oui, donc il y a déjà 5 millions 6 là. Ok, bon, ça va quasiment être... Bah, ça va être le plus gros ensilage que j'ai fait sur FS22, ça c'est sûr. Et bah, ça va pas tarder à être le plus gros qu'on ait jamais fait sur farming une fois qu'on aura rempli celui-là, je pense. Enfin, déjà pas mal. J'aurais bien commencé le maïs grain, mais comme vous le savez, ce n'est pas la saison, à mon grand regret. Quel dommage. Mais c'est ainsi. En vrai, ça va. Ça continue à bien avancer, les amis. Il reste, je vous montre le nombre de champs restants. C'est ceux en vert, évidemment, qui sont restants. Donc, il reste ce champ, la moitié de ce champ, et maximum, je dirais 4 encore. Après, le reste, on fera en maïs grain. Ça va aller assez vite. Alors, maïs grain, ça va dépoter par contre parce que le maïs grain ça rend pas tant que ça et on a des capacités de 25 000 litres donc si tu veux, là ça va être très efficace. Mais en vrai, oui, je pense qu'on aura récolté tout le maïs dans cet épisode. Je pense que c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est faisable. Peut-être à un moment, il va falloir accélérer le temps, arrêter peut-être l'ensilage un peu plus tôt pour que ça rentre. Mais c'est clairement pas impossible. Tous les ensiles se tournent là. Ah non, j'en ai une là, tiens, je vais pouvoir la prendre. Voilà, il y a des... Oui, non, mais elle est en train de faire du. Je sais pas, elle est en train de convulser sur le bon champ. Ouais, c'est souvent le cas, hein. Ils sont souvent un peu teubés. Mais on leur pardonnera bien ça, hein. Ah, il nous reste 414 000 euros. Tu vois, j'investirais bien dans des domaines, mais je sens qu'en fait, ça n'a pas resté longtemps sur mon compte en banque cette histoire. Donc on va rester calme. On va rester calme. Je vais te laisser peut-être faire la fin ici. Non, je vais faire la bordure. C'est toi là, qui est à ma gauche, Alan, en train de remonter non. Là. Moi, je suis en train de. Je suis au niveau de Papito parce que je cherche une petite benne étant plein à ras bord. Ah, bah il y en a une, il y en avait. Ah non, elle est pleine aussi. Elle est pleine aussi, ouais, le T7. Ouais, c'est vrai que c'est de la belle manutention là, attention. Hein. Là, ça ne rigole pas, je te le dis. Les amis, c'est incroyable, regardez-moi ça. Alors en fait, oui, je sais que j'ai dit que c'était une mauvaise idée, et c'est sans doute une mauvaise idée, mais je voulais essayer. Donc on peut remplir la benne du camion avec de l'ensilage. Alors c'est une benne à grains, du coup l'idée est sans doute très mauvaise. Alors du coup là, je suis pas aligné. Ah voilà. Voilà, et regardez, et du coup là, ça veut dire que je peux mettre deux trémies dans une benne. Enfin, hein. Si je dis pas de bêtises. Oui, même. Et ben non, mais là, par contre, ça va être efficace. Et surtout, le camion, il prend 120 km/h. Ça va. Je pense qu'en termes d'efficacité... Là, la productivité va être décuplée. Bon, techniquement, t'es pas censé rouler avec un camion dans les champs. Qui a décrété ça, en fait à part quelqu'un qui veut pas abîmer son camion. Mais moi, si tu veux, c'est pas très grave. J'ai confiance en mon Kenworth. Alors, attends, qui c'est qui est plein? Moi. Et t'es rendu où? Là, je suis en train de derrière, quoi. Bro. Alors, spoiler, ça ne va pas plus vite à tasser avec un Tri-6. Ah ouais? Bah moi j'ai tassé avec le Tri-6 la dernière fois, donc tu me déçois. ouais. Et pourtant il y a plus de roues. Il y a 50% plus de roues. Bon, normalement t'es pas vidé totalement. Là il me reste 10 000. Ouais, bah c'est cadeau. Mais c'est pas grave, j'ai Virgile à côté. 110 000 litres dans la benne, là il fait pas le malin là quand même le Kenworth. Il siffle là. Hein. Là ça compresse. Hop, alors par contre j'ai hâte de voir comment ça va vider dans le silo. Ça va être assez désastreux. Alors on arrive à l'endroit. Ah oui, ça va être compliqué. Ouais, je vais peut-être vider dans ce silo là, moi plutôt. Ce sera le silo du camion celui-là. Contrôle I. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne. Oh, ah, c'est un peu long. Ah, quoique. Ouais, ouais. C'est. Atypique. C'est. Ouais. Ouais, ça va. Ça va. Le premier passage, ça passe encore. À mon avis, ça va être très douloureux dans 4-5 passages, ça va être très compliqué de passer, mais c'est pas grave, hein, j'ai foi en l'humanité. Ouais, ouais, ouais.
les amis, on va passer à la moisson, mais aussi à l'ensilage sur ce dernier champ. Alors, on va passer en mono ensileuse, donc ça va être un peu loin à récolter le dernier champ. Mais c'est pas grave, comme ça, on va pouvoir se concentrer sur le maïs grain, et comme ça, je vais pouvoir accélérer le temps. Et vous allez me dire, mais si tu gardes une ensileuse, tu peux pas accélérer le temps. Si, j'en possède une, les amis. Donc, les autres, je peux les rendre. Donc, 1, 2, 3, 4, impossible. Descendez de l'ensileuse, Alan, s'il vous plaît. Non, pardon. 4, voilà. Et les deux barres de coupe. Ah oui, c'est vrai qu'on a deux barres de coupe, c'est chiant ça. J'aurais pas dû en acheter deux. Mais c'était pour que ça rentre dans le budget. Je la vendrais sans doute. Je la vendrais sans doute. Et du coup, alors, est-ce qu'il nous reste une ensileuse et une barre de coupe complète? Parce que j'imagine que c'était des paires de. Ah mais non, la barre de coupe qu'on a d'acheter, c'est celle que le concessionnaire nous a offerte techniquement. Ouais. Oh, j'ai payé une location genre une seconde avant de la rendre, c'est beaucoup trop. Oh, ça c'est dommage. Mais c'est beaucoup trop en fait. Ça m'a facturé 47 000 juste avant que je la rende. Oh là là, on se fout vraiment de ma gueule. Ah bah voilà, c'est celle que j'avais achetée, qui est avec sa barre de coupe là. Ok, très bien, très bien. Bah vous pouvez la relancer si vous voulez les gars à enciler. Moi je vais accélérer le temps en espérant que ça me prenne plus de location techniquement. Ça n'a pas l'air. On gagne même de l'argent. Ah non, un petit peu. Très peu. Un tout petit peu. Ok, alors est-ce que c'est... Non, toujours pas bon. On va accélérer le temps jusqu'à... Que le maïs soit bel et bien sec. Et comme ça, après, je pourrai lire vos commentaires, les amis. C'est important de lire vos commentaires. Ah oh ouais, j'aimerais trop faire dans la neige. C'est souvent, en plus, Cyril qui récolte le maïs dans la neige. Oh, je crois que la croissance est surnom. Ce qui n'aide pas, hein, étonnamment. Ce qui n'aide pas, évidemment, à faire du maïs bien sec. Ah oui, du coup, Virgile vient de me dire, les amis, j'ai trois barres de coupe. Les deux que j'avais achetées au début et celle qui est prêtée par le concessionnaire. Bah, celle qui est prêtée, on la rendra. Mais vu que j'ai qu'une ensileuse, bah, autant que je vende celle-là. En 4000, bon, je l'ai pas amené, j'aurais peut-être pu avoir 110, 115. Bon, vous me pardonnerez ça, hein. On a déjà tourné depuis assez longtemps pour que je l'emmène. Donc là, je vais lancer la case. Hop, on va monter dedans. Je la démarre. Je lance ouvrier. Normalement, il est pas trop con. Il arrive à partir. J'adore faire ça, le maïs grain. C'est ma passion. Je trouve que c'est l'activité la plus belle à faire sur le jeu avec l'ensilage. Parce que depuis qu'ils ont amélioré l'animation du maïs et tout, c'est tellement beau. Et le maïs grain, il est tellement magnifique. Il est tellement sécos. C'est génial. Et pendant ce temps, bah, je vais en profiter pour lire les commentaires de mes abonnés. On a Juju2006 qui me dit « Salut Marlon, j'espère que ça va. » Bah écoute, moi ça va très bien. Pour la carte de la ferme abandonnée, j'ai pensé à la ferme viticole directement. Tu pourrais mettre le château que tu as utilisé sur l'agriculteur français et mettre des vieux véhicules à l'intérieur. Et aussi, tu pourrais mettre des vignes fanées pour montrer que c'est abandonné. Cette ferme, pour moi, serait en haut de la map sur la montagne. Alors, c'était une possibilité. J'ai vu, vous avez été nombreux à le proposer. Hein. Donc... Vous inquiétez pas, c'est pas que je voulais pas le faire, c'est juste que, en fait, c'est une bonne idée, je l'avais eu aussi, mais je me suis dit, en vrai, la ferme abandonnée, je vais faire un petit truc sympa pour meubler dans une forêt, un petit truc à la con, parce que pour que ce soit abandonné aussi, faut pas que je l'ai vu avant, et faut que ça soit sur mes terrains, sinon c'est pas à moi, du coup, pour le roleplay, ça marchait pas trop. Et aussi, la ferme viticole, j'ai envie de faire un truc incroyable. J'ai pas envie de devoir rafistoler la ferme abandonnée, de devoir garder une partie abandonnée qui va être chiant. Ça, on a une ferme abandonnée, elle restera, et par contre, attention, on va faire une très belle ferme viticole qui sera vraiment une ferme à part entière avec un beau château, des... Vraiment, j'ai presque envie de mettre le mode qui nous demande de transformer le vin, etc. Enfin, je vais peut-être pas le mettre, parce que je ferai peut-être une autre série là-dessus, mais voilà, je vais mettre des beaux bâtiments, des beaux trucs. J'ai pas envie qu'on s'embête à utiliser des vieux trucs pas beaux d'une ferme abandonnée, et surtout de devoir rechanger tout le matériel. Et ça aurait été un petit peu abusé que ce soit du coup une ferme viticole abandonnée, parce qu'il y aurait forcément eu du matériel que j'aurais pu réutiliser à foison. Là, il y a que le MB track, peut-être la benne, mais bon, la benne, j'en ferai pas grand-chose. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça aurait été peut-être un peu trop cheaté de me donner une ferme viticole, mais l'idée n'était clairement pas mauvaise. Mais vous inquiétez pas, il y aura une ferme qui arrivera, un domaine qui arrivera prochainement et en pente. En plus, ça va être très sympa à regarder, je pense. Ensuite, on a le commentaire de Baptiste Foiré qui me dit bonsoir Marlon, vive la monoculture. On connaît les aigris qui sortent des maïs sur maïs irrigués à l'infini. Un vrai ricain. Oui, bon, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, voilà, il nous en faut. Il nous faut du maïs, c'est pas de ma faute non plus. Hein, on va pas en acheter, ce serait quand même triste vu tous les champs qu'on a. Il me dit lorsque tu vas activer le mode saison, ce serait bien que tu t'interdises la monoculture sur chaque parcelle et en gros de créer une mosaïque. Alors il ne demande pas de créer une mosaïque sur la map, mais d'avoir une alternance de trois cultures réparties sur trois zones. Donc en gros, les amis, c'est comme si j'arrivais sur la carte, je fasse zone 1, zone 2 et zone 3. Et en gros, il y aurait une rotation qui serait peut-être blé, soja, maïs, avoine. Enfin voilà, on pourrait faire une rotation et comme ça on aurait constamment trois cultures à récolter. Alors c'est pas une mauvaise idée, même ça serait intéressant à regarder évidemment parce qu'on ferait plus de choses en un épisode. Le problème, c'est que bah il faudrait jouer énormément parce que c'est plus rapide de récolter tous les champs d'une seule culture que de devoir changer à chaque fois de matériel, vider les bennes parce qu'elles sont pleines d'une culture et pas d'une autre. Je pense que tu vois ce que je veux dire. On économise quand même du temps à faire tout au même moment. Donc c'est un petit peu complexe. Et à la fin de ce commentaire, il me dit « On n'a pas vu l'épisode du samedi que tu nous avais promis en live ». Oui, je suis juste un débile, j'ai oublié de l'uploader. Tout simplement, je m'en suis rendu compte le lundi matin.
Je me suis dit, ah bah en fait, j'ai même pas fait ni le rendu ni l'upload. Donc là, elle arrivera, bah vous l'avez vu normalement, quand vous voyez cet épisode, c'est sorti hier. Mais j'avais oublié d'une semaine, vous me pardonnerez bien. On a un autre commentaire du coup de Juju 2006, what? Ah mais non en fait, je suis trop con. Charge what the fuck. Les dons ont été mis à 22h, mais non. Ensuite, le troisième commentaire, c'est celui de Trucker et Farmer David, le fameux, qui me dit « J'ai aimé cet épisode avec le PDA refait. Pour la récolte, on se serait cru sur Harvest Run. » Excellent commentaire, les amis, n'hésitez pas à aller télécharger Harvest Run, qui est disponible dans la description. C'est un jeu mobile totalement gratuit, disponible sur iOS et Android. Et voilà, vous régalez les gars si vous l'avez pas encore. C'est un petit jeu sympa, développé par l'entreprise King Up. Hein, que je connais bien, que j'y suis. Donc voilà, je vous conseille de la télécharger, cette petite application sympathique. Et merci du coup, David, de m'avoir passé une passe D incroyable. Ensuite, on passe du coup au dernier commentaire, celui de Lilou qui me dit « Coucou Marlène, épisode toujours aussi amusant, malgré toutes les décos du pauvre papy. » C'est vrai, pauvre papy. Ça hein. A continué. Et ça a continué. Parce que, je suis triste. Mais ça a été moins pire aujourd'hui quand même, papy. Ouais, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y en a eu peut-être deux de moins, c'est quand même incroyable. On me dit, petite suggestion, pour la prochaine saison de Solo Monde et pour changer de No Man's Land, pourquoi ne pas choisir la map Calm Land? Alors je vous l'affiche là, il y a plein de maps comme ça. Maintenant il y a plein de maps qui sont sorties sur le style de Solo Monde, donc il y a tellement de possibilités. Enfin sur le style de No Man's Land, pas de Solo Monde d'ailleurs, je prends pas tous les crédits quand même. De No Man's Land, et donc il y a vraiment des possibilités incroyables, il y en a même des magnifiques dans les montagnes et tout. Donc oui, la prochaine saison de Solo Monde sera pas sur No Man's Land parce qu'on l'a déjà poncé. Alors, dans la saison 1 on l'avait pas trop poncé, c'est pour ça que je suis reparti dessus. Mais s'il y a une prochaine saison de Solo Monde, on partira sur une nouvelle map et je pense que ça peut être vraiment incroyable. Donc t'inquiète pas, elle me dit voilà, il y a un paysage incroyable que je trouve plus sympa avec une petite ferme de départ, un peu de matériel, un petit champ. Le reste est désert par contre. Petit plus, tu as une petite zone industrielle avec plusieurs points de vente. Ah oui, c'est vrai que ça peut être sympa. Ah oui, 8 à 10 usines. Ah oui, ça peut être sympa aussi. Mais je verrai bien d'ici là, il y aura sans doute encore plein d'autres maps. Mais évidemment, s'il y a une prochaine saison sur le monde qui sera sans doute pas en 2022 évidemment parce que c'est une saison, ça dure très longtemps, ça sera peut-être en 2023, et eh bien ça sera pas sur No Man's Land, là-dessus ne vous inquiétez pas, ça fera un beau renouveau, mais à partir de rien arrive prochainement, et de toute façon on arrive bientôt à la fin aussi de Solo Monde, faut dire ce qu'il y a, hein. on a bien avancé dans les objectifs à 500 000 que je vous affiche là, il reste plus grand chose, en fait c'est principalement le mode saison qui va être assez compliqué à négocier, et on a quasiment aménagé toute la map, il nous reste cette partie haute à aménager, je m'en chargerai directement dans le prochain épisode, les amis, ça va être de l'aménagement et de la création de champs, et ici la ferme viticole, plus peut-être des forêts que je vais créer pour que ce soit un petit peu plus sympa, un petit peu plus vivant, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. On était à 92%, Virgile est arrivé pour chier dans nos boîtes, on a 88% et Marlon va arriver. Salut les gars, ça va? Il est fier de nous achever. Ça va Hop là, CTRL I, comme ça, regardez, mais vraiment en plus, je vous pisse dessus par le milieu de la benne. C'est génial. Mais je reste bloqué, je peux pas monter. Voilà, bah tu vois, ça c'est le carnaval, bien fait pour. Et en léger surpoids les gars, vous avez pas grave de vous moquer de moi, c'est de la grosse sophie ici. Allez, on avance. Yes. Non! Oh! Il en fout partout! Excusez-moi, j'ai le jet qui est un peu récalcitrant. Ça arrive à tout le monde. Hein, ça arrive à tout le monde, je peux dire. Je ris, j'éternue. J'ai des fuites d'ensilage. J'ai des fuites d'ensilage. Hop là, allez, j'ai bien chié sur votre silo. Salut les mecs! On est à 90, ça va encore. Ah, ça va, hein. Vu que j'ai chié de manière assez putain, mais aidez-moi les gars, tirez, merci. Non, ah oui, ah bah non, bah bravo. Ah bah peut-être, en fait il y a tellement de puissance à peut-être le faire. Voilà. Ah non, ah si, merci. Ça pue, voilà. Tout faire à une main. Ouais, c'est vrai, il devient fort le baliche. Hein. Et comme ça, hop, direction le chantier de maïs, hein, et c'est bas. Les amis, il est temps de fermer quelques silos dans silage. Bon, je pense pas qu'on récoltera tout dans l'épisode. Alors, le deuxième silo. Du coup, là, on est à 5,6 millions entre les deux. Ici, on a combien de litres? Ici, on a 1 million de litres, donc 6,6 millions. Hop. Donc oui, ça déborde bien sur les côtés. Et ici, on est à 1,3 million. Donc, 8 millions. 8,3 millions.
million de litres. Bon, on a forcément fait mieux que sur Partir dans l'un, là, du coup, Virgile. Normalement, ouais. Ouais, je pense pas qu'on ait fait 8 millions. Hein. Et là, il y a 116 000 litres, mais Virgile en amène encore de temps à autre. C'est un peu lent, quand même. Hein. En vrai, ça va. Hein. En vrai, elle, toute seule, elle fait quand même du boulot. Hein. Bon, elle a pas fait la moitié du champ, mais... Ah, quoique, là, c'est le côté le plus large qu'elle est en train de faire, donc... Non, c'était presque assez, Virgile. Elle va pas tarder à avoir fait... Ouais, voilà, tu auras le temps, je pense. Et puis, Papy qui arrive aussi, ouais, il arrive avec le télescopique. Oh, je vais vous faire un accéléré de ça, c'est trop satisfaisant, regardez. Papy qui récupère l'état qui dépasse, juste incroyable. Et de l'autre côté aussi, vous avez la moisson qui bat son plein. Comme vous pouvez le voir, ça continue. Mais la moisson, on le terminera dans le prochain épisode. C'est moins urgent, évidemment. Les amis, j'attendais que Papito déconnecte pour arrêter l'épisode, parce qu'il est 18h10, on a commencé à 13h avec Alan à faire le roleplay, donc ça fait plus de 5h qu'on y est. On n'a pas fini le chantier, il sera fini dans le prochain épisode, ça c'est sûr, et on créera énormément de champs dans le prochain épisode. On terminera peut-être pas totalement la création des champs, mais on avancera énormément, hein. Tout ça là, c'est sûr que ça sera créé dans le prochain épisode, là aussi sans doute, peut-être là, ouais non là je suis un petit peu ambitieux, mais c'est bien d'être ambitieux comme ça au moins, même si on n'y arrive pas, on arrivera un petit peu moins, ça sera déjà pas mal. Ouais les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, un max de commentaires que je pourrais lire dans le prochain épisode. Et merci à, aux gens très sérieux que j'avais avec moi, qui étaient très talentueux. Surtout Papito, qui a été là de tous les instants. À tous les instants, il n'y a pas un moment où il a pris. Pas un moment. Allez, c'est Énergie. Ciao tout le monde. Ciao. À plus.